For the two grade 10, severe form 4 et paper 1, topic c'est hardware, correct? Et voilà, nous commençons nos classes, nous déjà causé là-dedans, et aujourd'hui nous faisons récap, nous faisons une révision, plus pour faire l'examen. Bon, dans paper 1, dans la section 3.n, nous causons hardware. Mais nous causons hardware, nous causons un topic qui s'appelle architecture, computer architecture. Un mot qui se peut entendre dans ce topic-là, je vous donne un mot comme CPU. Ok, dernière fois, moi j'ai expliqué qui veut dire CPU. CPU veut dire Central Processing Unit. Et en dans CPU, nous avons un élément. Trois éléments qui sont importants dans CPU, nous avons. Donc, si vos enfants rappellent, nous avons ALU, nous avons Control Unit, avec nous avons Registers. Et Registers, c'est pareil comme la mémoire, ça. Les smallest building blocks of memory. Ça ne peut guetter. Et registres, il y a plusieurs cas de registres qui sont obligés dans la base là. Premier registre, programme, counter, memory address register, memory data register, aussi connu comme memory buffer register, CIO, accumulator register. Et je prends prendre en compte d'affaires buses. Buses, c'est printed circuit, le motherboard. Je prends prendre ça aussi dans la syllabus là. Il y a trois cas de bus dans la syllabus, data bus, address bus et control bus. Et je peux apprendre la basic architecture. Première architecture que je peux apprendre, c'est Von Neumann architecture. Et Von Neumann architecture, je peux apprendre la basic architecture, souvent des avantages qui est là. Parce qu'il est une première architecture. Maintenant, je peux apprendre aussi que le computer fait fetch du code execute. Fetch du code execute, il y a un cycle. Ça. Et je peux apprendre chaque étape. Qui est arrivé dans fetch, qui est arrivé dans du code et qui est arrivé dans execute. D'accord? Et je peux en prendre aussi performance d'un computer, comment y affecter par un élément, comment ce qui appelle core, ce qui appelle cache memory, ce qui appelle bus size, et voilà, un petit peu ça nous pouvons dire. Ok, et RAM. Et nous pouvons arrêter là-bas aujourd'hui. Et là, le topic qui nous pouvons dire, c'est embedded system. Embedded system, c'est après qui nous pouvons dire. Maintenant, nous commençons à poser des questions parce que ce topic-là, nous avons déjà fait dans le passé, semaine dernière, nous avons dit. Allez, nous commençons. Vous pensez, ben les élèves qui pour nous vous posent des questions, si Goulam peut rentrer, laissez-les rentrer. Allez, bon, tout barra, malheureusement, tu ne commences pas premier. Et tout bonne question, c'est toi-même qui vous répond premier. Ok? Allez, rad. Maintenant, nous posons Batoubara une question, les restes peuvent rentrer. Voilà. Monsieur, qu'il est pour finir? Qu'est-ce que ça, mon verrico vidéo là, si ça amène à élèves, normalement, nous les sommes pour une temps ou une heure 15 minutes maximum. Ok? Et si jamais je peux gagner un point de l'autre question, sa vidéo là, il peut record, je suis capable de regarder les vidéos là. Je vais vous parler comment je vais faire. Je espère que je peux gagner un lien. Je vais subscribe à mon channel. Allez, maintenant, je vous pose une question. Chaque enfant a son nom apparaît là-dedans. Et je vous pose une question, chacun se tour. Correct? Je vais répondre. Correct? Chacun a son tour. Moi, vous dis un nom, moi, vous dis un nom. Je vais connaître tout, je vais répondre. Correct? Allez, première question. Bon, tu vas voir, ça va, tu es là? Oui, monsieur. Allez, CPU. Qui veut dire CPU? Je vais donner un petit peu de connaît. CPU. Central Processing Unit. Allez, Ras, mon mot est une photo de CPU. Ça, et. Ok, nous vais donner un coup. Ça, CPU, ça, mon gars, on va là. Tu as trouvé CPU. Ça, pas CPU, ça, là. Ça, photo là, qui est là. System Unit. Il y a une casing, il y a une boîte seulement. Ça, pas CPU, ça. Beaucoup d'élèves disent ça, CPU. Et là, ça. Ça, pas CPU, ça, je vais trouver. Pas CPU, ça. Ça, pas CPU, ça. CPU trouve en un lit. Ça, ça c'est CPU ça. Et là dans le motherboard, tu peux trouver, il met un CPU. Dans le motherboard, il y a un CPU. CPU, si tu veux bien, ok, nous avons un coup, si nous avons une photo, là, un du monde sur l'armée, peut trapper un CPU. Ça, un casing, ça, si nous avons un system unit, correct? Ça, c'est ça CPU, ça CPU. Get ça, ça system unit, ça casing, ça va être CPU. CPU i5, i7, etc. D'accord? Bon, ça c'est motherboard, en dans motherboard, nous avons un CPU. Correct, c'est là, c'est un computer, en dans ce que sa photo là, je vais trouver, à l'intérieur des N System Unit, si tu peux montrer ça, ouais, à l'intérieur des N System Unit, c'est sa photo là, voilà, ça c'est le System Unit, c'est ce Power Supply là, c'est ce motherboard là, et le ventilateur là, en bas ventilateur là, qui n'a pas de CPU, correct, voilà, j'espère que tous les enfants finissent de comprendre qu'il y a un CPU. Bon, si nous avons une autre photo pour montrer ça, nous avons un motherboard et un CPU, bon, si nous avons une photo pour montrer ça. Et là, monsieur l'avait trappé un CPU là sur la main, là, correct? Et là,
Ils ont trouvé une trappe en CPU là, sur la main. Les processeurs, ça qui est trappe en CPU. Ça, une motherboard, ça, et l'eau lit dans le CPU, et l'eau là, tu peux avancer la terre. Correct? Mon pensée, tout est levé, fini, comprend. Qui veut dire le CPU. Nous retournons avec nos notes. Correct? Allez. Central processing unit. Maintenant, Douga. What are the three components of the CPU? Control unit, ALU, memory, registers. Oui, memory, c'est le nom, appelle ça registers. Bien bon. Next question. Allez, les enfants qui là-bas, hein. Et maman dit, give me the function of the control unit. What is the function of the control unit? Control unit, qui diffère? Allez, si maman dit pas connaît, vous allez dire passe, vous allez vite parce qu'il n'y a pas attendre. Control unit, c'est fonction. Il y a trois fonctions control unit faire. Decode instruction. D'accord? Allez, right? Il décode instruction. Decoding arrivé à l'aide des control unit. Et ça arrive ça dans CIO, un register. Deuxième, il synchronise tout bonne instruction. Ok? Synchronization. So, decoding, synchronization, il contrôle, il coordinate, il organise. Voilà, control unit qui fait decode. Control, coordinate, organize the whole computer system. Voilà, it's like the brain of the computer. Et lui-même fait tout. Maintenant, nous posons d'autres questions. Bon, c'est un carré répondre, digité, là, que ça se tout. Ok? Voilà, nous disons control unit, decode instruction, synchronize, et coordinate, organize, manage the whole computer system. L'autre question, ça se tout. Jawahir, what is the function of the ALU? Does multiplication and division. Très bien. Multiplication and division, on appelle ça arithmetic operation. Ok, on appelle ça arithmetic operation. Après ça, qui diffère? En quoi notre fonction diffère? À part arithmetic operation, qui diffère? ALU. A veut dire arithmetic. L qui veut dire logical operation. Ok, il fait arithmetic veut dire ajouter, multiplier, diviser. Il fait encore N, ça fait. Il fait logical operation. Qui veut dire logical operation? Comparison, greater than, less than, N, or, not. Ça appelle ça comparison operation. Ok? Et un CPU, il est capable d'avoir plusieurs ALU. Ça aussi, c'est possible. Mais voilà, nous comprenons. Maintenant, après Java, il y a tout. What is a register? What is a register? It is a basic unit of memory. Très bien, basic unit of the memory. It store data in what form? Dans quelle forme il garde data? As bits. Très très bien. Et sur ban size, comment est-ce? Sur ban size? 8 bit register. Très bien, 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Ok, what is the function of the register? Or the memory? Store current application software. Très bien. Après? Store current data. Très bien, très bien. Encore? Store port of the OS. Bien bon, bien bon. Port of the OS, on appelle ça le kernel. Ok? Allez, maintenant le zélé va se faire. Tu es une finie, il fait très très bien. Nogessor, list the special registers. Qui va le register de connaît? Special purpose registers. Domaine la liste man special purpose registers. Accumulator. Oui, accumulator. Memory. Accumulator en short, mais quali ACC. Accumulator. Après ça? Current instruction register. Ouais, CIR veut dire current counter. Instruction register. PC veut dire programme counter. Très bien. Encore? Data register. Ouais, memory data register. Mais c'est pas memory data register, il est aussi connu comme MBR. Regarde là, MBR. Memory buffer register. Et dernier, nous avons memory. Address register. D'accord? Allez, très bien. Oui. Maintenant, nous pouvons get un coup. What is a bus? Si on a c'est tout, personne. What is a bus? Allez, personne. Quels efforts, si pas connaître, déjà passe. Nous donne nos élèves la sens faire. Allez, personne par là. Au moins, envoyez un chat, si vous avez payé dans le micro. Non, on ne va pas trouver aucun chat est venu. Allez, Kedan, what is a bus? Printed circuits on the motherboard. Oui, what is the purpose of buses? To connect different components. Ok, and bus are like what? They are like what?
wires connecting. Yes, très bien. Okay, they are like wires connecting different devices in Malika. Devices, connecting different devices. Devices. Okay, next. Allez, après Kaden, Ram maintenant. Name the three types of buses. Name the three types of buses. You're very famous. Allez, Jama. Control bus, très bien. Address bus, data bus. Très très bien. Control bus, address bus avec data bus. Correct. Maintenant, les enfants, où tu dans? These are the three buses. Address bus, data bus et control bus. Now, differentiate between these buses. Okay? Allez, en parenthèse, vous dites-moi. What is the function of the address bus? Address bus qui se roule. Mais ça, mémoire, ça. Ça, CPU, ça. CPU, elle prend des états depuis dans mémoire. Et à travers qui bus, elle prend des états dans mémoire. Qui côté dans mémoire? Dans qui location? Dans qui adresse? Et c'est là qui montre ça. So, what is the address bus? Allez. C'est là, c'est tout. Où tu dans? Address bus qui lui fait. Pour les mots là, ça est address bus. Il y a une direction ou ça est la direction? Une direction. Une direction. Comment appelle une direction? Uni? Unidirectional. Très bien, il y a la unidirectional. Il y a address bus, les unidirectional. Qui se roule? Ce rôle, il y a dans la mémoire qui côté. Mémoire, il paraît comme un tiroir ça. Tiroir numéro 1, 2, 3, 4. Il y a dans l'adresse là. Il y a dire. Address bus points to the memory. The points to the memory location. With the address bus, the points to the memory location from where data is to be fetched. D'accord? Allez, just how you do that. What is the purpose of the address bus? It carries signal relating to addresses between the possession of the memory. Ouais, mais tu comprends là, unidirectional. With the address bus, the carry memory address. Qui veut dire memory address qui côté de mémoire pour aller pour amener data. D'accord? Maintenant, Ujudan fini, c'était Goudeyal. Ok, Goudeyal. What is the function of the data bus? Et comment il était le data bus? Unidirectional, bidirectional. Et dans ce diagramme? Bidirectional. Bidirectional. Qui couleur il était dans ce diagramme? Vert. Vert. Et qui veut dire bidirectional? Veut dire, il prend des data dans la mémoire et il amène des data là. Veut dire, des data ou qu'il save dans la mémoire ou qu'il pas amène des data dans la mémoire. Fait que moi, j'ai mémoire une frise idée à ça. Veut dire, ou prend un pomme d'amour ou amène des blancs frisidaires, ou crase-li, ou fait-li sartini, ou regarde dans frisidaires. Ok, tu comprends? Veut dire, amène des états de la mémoire, veut dire, tu m'as dit frisidaires sans mémoire, ou prend des états ou venir, crase pomme d'amour, ou fait-li sartini, ou regarde dans frisidaires. Veut dire, amène des états dans deux directions. Prends des états de la mémoire, amène un process-li, veut dire, prend pomme d'amour de la frisidaires, amène un process-li, crase-li, après, réel servir la mémoire. Veut dire, à cause de ça, les deux directions. Et qui bus qui amène sa data là depuis dans mémoire et réenvoie dans mémoire? Comment appelle ça bus là? Data bus. Ouais, data bus il a un autre nom. Data bus. Data bus il est bidirectionnel, comment te dire? Et il prend data depuis dans mémoire, il envoie dans CPU et depuis dans CPU il envoie dans mémoire. Allez, maintenant l'autre enfant qui s'en a fini faire goûter à l'infini. Biari, Esther. Allez, Biari. Biari ne vous posez une question là. J'espérais Biari me suivre. Control bus. Allez, control bus dans sa diagramme là qui coulait à l'été, mon garçon. Couleur orange. Très très bien. Et control bus qui diffère? Il y avait control signal. Pareil comme l'Iceman de football. Qui se roule? Les pavillons. Ok, l'Iceman qui diffère? Les pavillons. Mais ici, nous trouvons control bus, il y avait control signal. Il dit à mémoire, nous pouvons écrire dans toi, Astien. Non, mémoire, Astien, nous pouvons lire depuis côté de toi. Mais ça veut dire mémoire, nous pouvons lire ou bien nous pouvons écrire. C'est-à-dire, soit nous prenons des tables dans la mémoire, soit nous envoyons des tables dans la mémoire. C'est control bus qui fait ça. Control bus, ça nous envoie ça, control unit. La CPU qui partit envoyer ça, control bus là. Control unit. La CPU, control unit, envoie des tables à travers control bus. Qui détaille envoyé à travers control bus? Control signal. Veut dire control bus qui disait control signal. Et qui s'en a envoyé ce control signal là? Control unit. Et qui fait y avoir control signal? Pour dire mémoire, soit nous lire depuis dans mémoire, soit nous écrire dans mémoire. Soit nous tirer des tas dans mémoire, soit nous envoyer des tas dans mémoire. Bon. Maintenant, ici, dans ça, nous cela, l'indien, l'unidirectional. C'est moi dans l'autre bas notes de vous trouver les bidirectional. Bon, qui veut dire bidirectional? Quand vous dites un sens neutre, il n'est plus unidirectional, il fait une bidirectional. Veut dire mémoire aussi, il est capable d'envoyer un signal other way round. Qui veut dire other way round?
veut dire mémoire capable d'avoir un interrupt. Bon, vous pouvez expliquer qui veut dire interrupt. Ok, moi je vais expliquer ça un peu. Veut dire en fait control signal, control unit et control bus, il n'est plus one directional, c'est-à-dire il vient bidirectional. Qui veut dire bidirectional? Veut dire que là, il est dans la bébine là, comme ça, attends, nous prenons notre couleur rouge là. Et nous prenons un peu plus foncé. Veut dire unidirectional. Il peut envoyer des data dans control signal là. Maintenant, ça va input à output device, il est capable d'avoir un signal à côté là. Et ça signal là, on appelle ça interrupt. Ok, signal. Veut dire là, il peut venir bidirectional. Correct, il peut n'est plus unidirectional. Si tu es dans une seule direction, tu peux avoir control signal dans une seule direction, tu peux unidirectional. Maintenant, ben là, il s'enlève, il peut avoir interrupt dans sa direction, interrupt signal. Ok, et là, il envoie interrupt. Interrupt veut dire arrêter. Interrupt. Interrupt. Ok, il peut avoir interrupt, il peut avoir déjà dans la deuxième direction. Là, il est bidirectional. Correct? Allez, maintenant. Nous continuons à expliquer. Nous arrivons depuis là, vous pensez que vous allez comprendre. Nous allons poser des questions, nous finirons. C'est ça, nous vous corrigez ça. Hein? Nous ne voulons plus appeler ça unidirection. Nous allons appeler ça bidirectional. Allez, maintenant, ça c'est tout. Sigoulam. Sigoulam, on rentre en retard, mon gars, on peut nous aller. Allez, où la même Sigoulam. On va cause à où? Oui, oui. Allez, râle. Bon. Un Von Neumann, qui s'en a ça? Von Neumann, qui s'en a ça, mon garçon? Pas connu. Von Neumann, c'est un scientiste. D'accord? Si tu as le Google, tu as regardé Von Neumann, c'est un scientiste. Le premier scientiste qui te dit, qui dit, on invente computer architecture. Regarde ça, scientiste. Regarde ça, figure. John Von Neumann. Voilà, John Von Neumann, un scientiste. Il invente premier, pas premier computer, mais premier computer architecture. Bon, qui veut dire architecture, veut dire design. Ok? Lui-même, ce premier computer architecture. Et Von Neumann, ça, scientiste-là, tu dis trois la ligne bien importante. Veut dire, dans l'examen, si tu dis, describe Von Neumann architecture, tu te raconte trois petites choses. Première petite chose qui te faisait raconter de Von Neumann, si tu as mon vidéo, ou tu as envoyé une vidéo, si tu suis mon classe, qui l'India? Allez, dis-moi, première affaire qui l'India. Dans ce architecture, dans ce design, pour processer, qui l'India? Allez. Diama, bien, si vous l'avez. Première affaire qui l'India. Oui, qui est important l'India. Allez, diama. Dans ce architecture, qui s'en fait spécial, l'India. Qui s'en fait intéressant. Une cause, une affaire importante. Lieli. Posez si vous l'avez. Tu peux trouver moi l'écran. Non. Allez, mon cas, si vous l'avez, il mute qui n'arrive. Posez si vous l'avez. Vite, vite, si vous obtenez, nous allons vous réussir à faire cela. Von Neumann, il y a trois affaires. Il y a déjà dans mon écran. Première affaire, qui l'India? Allez, si pas pour répondre, nous allons envoyer ça à nos élèves. Il y a déjà single processor. Oui, l'India single processor. Qui te comprend pas single processor? Diamant Creole? Von Neumann, qui l'India? Single CPU. Ouais, voilà. Dans ce architecture, il y a un seul CPU. Mais si il y a un seul CPU, qui veut dire? Il lente, il slow. Ok, il y a une bottleneck structure. Qui veut dire bottleneck? Tu connais la bottle? Bottle veut dire bouteille. Neck veut dire les petits. Veut dire les lentes. Ok, bottleneck veut dire il y a une affaire qui lente. Ok, Von Neumann sur architecture qui fait les lentes. Parce qu'il y a un premier qui les a inventé. Il y a des architectures pour un seul CPU. D'accord? Maintenant, nous posons une question à Bartubara. Qui Von Neumann il y a déjà une affaire? Linear sequence of execution. Allez, qui te comprend pas linear sequence of execution? Veut dire faire un seul qui te à la fois. Un des le. Pas faire des trois qui te à la fois. Faire un des le. D'accord? Mais il a de faire quelque chose un des le. Mais il prend beaucoup de temps. Faire comment dire, tu es là pour. Tu tiens safe des gars, tu es dans la gare. Tu es là pour log bis. Allez, tu peux avoir un bis pour lui. Peut-être un bis là final pour lui, là, tu peux log déjà un bis sur la route. Est-ce qu'il y a une bonne méthode ça? Il n'y a pas une bonne méthode. Tant qu'un bis pas final arrive pour lui, tu vas vouloir déjà un bis. Mais du coup, on peut attendre beaucoup le chemin. Et un bon safe de gare qui lui fait. Chaque 5 minutes, 10 minutes, il log un bis. Chaque 5 minutes, 10 minutes, il peut log un bis. Je veux dire, elle est là, il peut servir le chemin là plus bien. D'accord? Mais Von Neumann sur architecture, il tient architecture basic. Je veux dire, il y a un seul CPU là-dedans. Only one CPU. Deuxième, linear sequence of execution. Je veux dire, il fait un quelque chose à la fois. Il faut dire un quelque chose fini. Là, il faut faire deuxième quelque chose. Troisième affaire, qui l'India? Allez, Douga. Von Neumann, qui l'India? Stored program concept. Ouais, qui veut dire stored program concept?
Nous gardons programme avec data dans même memory. Ouais, avant tu peux garder des mémoires séparées. Là tu peux garder même des mémoires séparées. Nous pas tu peux faire fetch du code execute. Mais là nous mettons dans une cell. Programme avec data nous considère autres comme une cell. Nous mettons dans une cell mémoire. Les programmes et data sont indistinguishable. Nous mettons dans une cell mémoire. Là nous pouvons faire un travail répétitif. Ce travail répétitif là on appelle ça fetch du code execute cycle. Allez, on va le faire l'autre. L'autre enfant vous répond. Maintenant, qui veut dire fetch the code execute reset cycle? Je vais vous expliquer ça. Là. Si tu as une photo, tu peux jolie. Bon, je n'ai pas trouvé une jolie photo là. Je vais vous internet si je peux trouver une jolie photo pour expliquer ça. Il y a un cycle. Ok? Je vais vous dire si je peux une photo pour expliquer ça. Fetch. Allez, la fetch the code execute cycle. Allez, nous vais vous dire si je peux une jolie photo. Je trouve sa photo là pas mal. Allez là. Ok? Fetch, il fait fetch, il fait decode, il fait execute. Fetch, decode, execute. Voilà, ça reçoit pas mal. Fetch, decode, execute. Bon, pour expliquer une affaire plus simple, le computer peut faire un travail répétitif. Ok, ici, mon cas, il y a une autre photo pour vous expliquer ça plus bien. Voilà, peut-être ça. Nous mettons un coup de fetch, decode, execute. Bon, nous mettons ici une photo, ouais. Voilà. Fetch, il veut dire, elle prend des états venus, rempli de tes registres. Après décoder avec l'aide de control unit, décoder, après exécuter. Bon, les enfants, pour expliquer une affaire simple, faire comment dire nous travailler dans la cuisine. Correct? Tu nous vends des états dans la cuisine, tu nous vends des choses que tu as de la frisidaire. Correct? Et si moi, tu as des choses de la frisidaire, moi, je vais cuire aujourd'hui. Là, hein? Faire comment dire que je vais cuire. Bon, vous avez des choses pour cuire de la frisidaire. Et là, moi, tiens, des choses de la frisidaire, moi, je vais dans un plat et je vais poser le mot chopping board, que je vais couper. Comment on appelle ça? Fetch. Fetch veut dire all the frisbee, prend des états, amène dans une place, sort et pose le mot chopping board. Chopping board c'est CPU, code mot process. On appelle ça fetch. Maintenant, l'élite le mot chopping board, moi vous avez réfléchi. Fait que moi demande à CS pour me d'amour de frisbee, moi l'amène. Allez, on amène pour me d'amour. Fetch, depuis la frisbee, on amène, on pose le plat et après, on arrive à si ailleurs. Et avec l'aide de mon esprit, contrôle unit, c'est mon esprit. Je décode ça. Je dis pour me d'amour là, soit me craser, soit me couper, soit me. Bon, rappeler, tu veux dire, quand rappe pour me d'amour, c'est ça. Faire un great line, ok, rappeler. C'est-à-dire, je vais décider ce que je vais faire. C'est-à-dire, je vais décoder. Et là, je vais finir de décoder ce que je vais faire. Exécuter. Qui veut dire exécuter? Faire action. Correct? Maintenant, avant ça, il y a une autre affaire qui n'est pas expliquée. Vous allez faire reset. Reset veut dire nettoyer, mettre propre. Lave chopping board. Puis, qui fait de lave chopping board? Pour capable de faire une autre affaire. Qui m'a fait ça? C'est-à-dire, je m'amène piment depuis la frisidaire. Je fais piment depuis la frisidaire. Je m'amène à travers un plat. Je vais résister à un plat. Et je pose là si ailleurs, je servir mon esprit qui m'a fait plus mal. Je couper, je craser, qui m'a fait. Comment je coupe long, long, gros, gros, comment je coupe. Je vais dire décoder. Après, qui m'a fait. Je exécuter, je fais action. Là. Après, je vais re-nettoyer ce chopping board là, parce qu'il y a plus mal au chopping board. Là. Et je vais mettre des affaires là. Qui m'a fait mettre? Reset. Reset qui veut dire clear. Clear. Avant, je vais faire le fetch du code execute cycle. Je vais dire fetch du code execute cycle, je suis capable d'accompagner pour reset. Reset living la fin. Bon, si tu l'as écrit, fetch decode. Allez, decode, execute, et fetch decode, non, fetch, fetch decode, execute, reset. Allez, vous mettez reset la cycle. Voilà, je vais dire, si jamais Internet a fini, ne pourrez rentrer là. Hein. Voilà, si je te l'ai, dit comme ça. Attends, on va regarder un diagramme. Mais malheureusement, nous pays là. Nous avons un coup de silence, nous pouvons arrêter. Voilà, il y a un cycle. Et c'est moi, nous pouvons regarder un diagramme qui explique fetch, decode, execute, reset cycle. Ok, pas grave. Nous pouvons gagner vraiment un diagramme qui explique. Ok. Ok, pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre en quoi une session de travail là. Bon, disposé, c'était à 15, puis fini, mais vous mettez encore une 6 minutes à l'heure. Un demi-temps encore pour mon caracos à l'heure. Demain, 6 minutes à l'heure. Il est disposé, fini. C'était. Il est motivé de sa zoom. C'était à 15. Il est motivé de mettre un nouveau. C'était à 15, vous mettez 30 minutes encore. Ok? Bon, si jamais les couper, nous pourrez rentrer. C'est dans 8 minutes qu'il vous couper. Mais nous n'avons pas expliqué, nous n'avons pas fait l'examen sur la faire. Ok.
Ok, continue. J'espère que je vais comprendre mon cas. Voilà, monsieur. Ok. Voilà, c'est-à-dire si Zoom terminé, vous pourrez rentrer là. Hein? Correct. Maintenant, on retourne dans nos notes. Mon élève vient dire. Non, pas là, ça. Là, ça. Voilà. Je veux dire, je trouve qu'il y a un travail répétitif. Ça nous a fait, nous a décodé, nous a exécuté. Après, nous avons reset. Reset veut dire clearly pour préparer pour next cycle. Maintenant, qui est arrivé dans Fetch? Les élèves comprennent qui est arrivé dans Fetch. Ok? Ok, qui est arrivé dans Fetch? Et ici, nous avons un diagramme là-bas. Je vais expliquer qui est arrivé dans Fetch. Une minute, deux autres. Fetch nous prend valeur de programme counter. Ça va être un, je vais expliquer ça. Si vous voulez, si nous avons un diagramme pour expliquer ça un peu plus bien. Voilà, vous pensez ça pour expliquer ça bien. Ok. Voilà, on vous explique ça avec ça. Voilà, sa description là pour être plus bien. Ok, bon. Qu'est-ce bien qui est arrivé là? Vous pouvez aller, vous expliquer plus bien. Vous faire print screen, vous avez ça dans Paint. C'est comprendre. Hein? Voilà, vous faites ça. Ça bout là, ce qui m'a pu dessiner, on appelle ça CPU. Et ça CPU, ça. Ok, dans CPU, nous avons un register. Ce qui va un register, nous allons trouver un programme counter. Ok, memory address register, memory buffer register, LXCIO. Correct? Très bien. Et ça, en rouge là, veut dire CPU, ça. Correct, là-bas, l'enfant? En rouge là, c'est CPU. Dans CPU, qui nous va trouver? Nous allons trouver un register qui appelle programme counter. Ça va aller à combien? 201. Et il copie, il dans memory address register. Maintenant, pour vous montrer dans notre affaire de diagramme là, couleur VM, vous prendre. Ça que ça n'a qu'à dire qui était ça. Ça. Ça c'est RAM. Ok? Et dans RAM, dans mémoire, qui n'est là, un affaire qui est important, nous allons trouver. Voilà, on montre juste ça. Des colonnes là. Une colonne là, c'est sur l'adresse. Voilà, sa colonne là, c'est sur l'adresse. L'adresse descend N. Nous avons une instruction, l'adresse descendait, nous avons une autre instruction, et etc. Je veux dire ça RAM. Ça. Correct, là, là, ça RAM. Right. Mais RAM, il y a des parties. Une colonne là, c'est sur adresse, et deuxième colonne là, c'est sur content, sur data. Correct? Allez. Nous avons un code qui est arrivé dans Fetch. Allez, suivez ça bien. Premier step qui est arrivé dans Fetch, va aller à la programme counter. Qui va aller à la programme counter? On va prendre une autre couleur plus. On va aller à programme counter, descend N, une copie leader memory address register. So this is what happened. The value of program counter is copied into memory address register. Qui fait une copie leader memory address register? Parce que memory address register, il vous pointe to the memory location. Qui côté il va aller la mémoire? Qui côté il va aller dans 200 N? Et qui il vous fait là-bas? Il prend ça des instructions là. Il vous prend lui à travers qui bosse? À travers data bus. Côté pour avoir dit. Il peut avoir dit dans MBR, aussi connu comme MDR, Memory Data Register, sur MBR. Ok? Et là, qu'il peut écrire, il peut écrire sa instruction là. L-O-E-D, load. Ok? Qu'il peut load? Load 206. Voilà, il peut écrire ça. Bon, on a dit, il y a monsieur, moi, dans waiting. Allez, il y a une détection dans waiting. Juliette, Juliette, qui fait un bonheur comme ça. Allez, pas grave, Juliette rentrée, moi, j'espère qu'elle est capable de suivre la place là. Ok, voilà, maintenant il est bien bien intéressant, qu'est-ce qui est arrivé dans Fetch. Ça qu'on va dire au FreeZDS, ça, RAM là, au FreeZDS, ça, et CPU qui veut faire, il prend l'adresse depuis le programme counter 200N, il copie dans MBR, et depuis dans MBR. Avec ça, carrément, ça, la ligne qui m'a dessiner là, qui bosse ça, c'est carrément, attends, moi, je choisis une couleur mauve pour lui. Je vais malin pour dire, moi, je pose une question, qui bosse ça, mon dessiner couleur mauve là. Allez. Et m'a dit, comment on appelle ça bosse la couleur mauve? Il peut point to the memory location. Il peut dire à qui côté pour aller dans la mémoire. Ça bosse là, comment appeler? Il m'a dit? Adresse. Adresse bus. Très très bien. Maintenant, vous pouvez dessiner une autre couleur là. Vous pouvez prendre une autre couleur marron là. Allez, après il m'a dit que ça en a déjà. Ça, qui bosse ça? Il peut sortir des états, il peut dans RAM, il peut amener, il peut avoir dans MDR. MBR, soit MDR, même affaire ça. MBR, soit de caractère MDR, même affaire ça. Des noms liés là. MDR, Memory Data Register,
et MBR with a memory buffer register. Allez, ça bus là, comment appelle ça bus là, avec la couleur marron là, mon père sort et dit mon père m'en là. Comment appelle ça? Très bien, control bus. Ok, très très bien, control bus. Maintenant, si nous tiens la control unit ici qui n'est pas montré, si tu as la control unit, si tu as la CPU, tu peux avoir control signal de RAM. Ok, si tu as la control unit là, malheureusement, avec RAM montré, je vais essayer control unit. Control unit, tu peux avoir control signal de RAM. Qui control signal tu peux avoir? Soit pour read depuis de RAM, soit pour write depuis de RAM. Ok, c'est-à-dire soit des tapes dans sa direction là, ou bien des tapes dans sa direction là. Read ou bien write, c'est control signal qui a besoin. Maintenant, fait qui veut dire, allez, nous reprenons. RAM, c'est comment dire nos frises dire. Bon, qui est arrivé dans fait? Valeur de programme 41 envoyé dans MER. MER a la mémoire de sa adresse là. Il prend son instruction et envoyé dans MDR, soit MBR. Après ça, depuis dans MBR, quand il peut envoyer dit? Nous disons, tu es tout. Très bien, très très bien, mon garçon. Il peut avoir la CIA. Il veut dire sa instruction qui appelle l'autre. Il peut avoir la CIA. Ok, et il y a la CIA. Il y a là qui peut arriver. Fetch pour terminer. Fetch terminer. Maintenant, decoding côté arrivé. La CIA. Qui c'est la decode? C'est mon prendre une autre couleur mauve à travers le control unit. Dans CIA qui peut arriver. Decoding de sa instruction là pour arriver. Ok. Et là, il peut exécuter. Mais, on a fait oublier de dire, dans Fetch, programme 41 pour augmenter par N. Qui fait programme 41 pour augmenter par N? Programme 41, il peut égal programme 41 plus 1. Il peut être 41. Qui fait dans Fetch, il est bizarre, augmente par N? Parce que si l'infini copie l'adresse D sans N, il est bizarre, quoi, D sans D. Il veut dire, il est bizarre, augmente par N. Programme 41 augmente par N dans Fetch, qui fait l'augmente N pour prepare it for the next cycle. Next cycle, ok? Vous ne comprenez la fête, je vous pensez beaucoup d'élèves ne comprennent. Maintenant, nous retourne dans ça, nous cela, nous guettez. Voilà, là. C'est trouvé? Guette là. Remarquez une affaire. Programme 41 qui était avant. L'ITI descend N. L'inalda descend N, il prend sa instruction et il dit. Guette programme 41, il augmente par N. Qui formule sa programme 41 augmente par N? P6 égale 2 P6 plus 1. Il descend D. Et là, qu'il est pour faire? Guette là, on va expliquer là. Voilà, je prends ça, je vais vous dire RAM. Après, je vais régler la vidéo là. Qu'est-ce qui est arrivé là? Il descendait. Vous savez, programme 41, il n'augmente pas N. Si descend N avant, il descendait. Là, il peut copier ça. Il peut ne plus descendre N. Il peut venir descendre. Et là, il peut venir descendre. Qu'est-ce qu'il peut aller? Il peut aller dans mémoire descendre. Et qui peut prendre? Deuxième instruction. Ok? À travers le database, il peut avoir dit dans MBR. Et depuis MBR, il peut avoir dit dans CIA. Et programme 41 pour augmenter par N, les bovines descendent 3. Les bovines descendent 3. Et dans CIA qui est arrivé, instruction décodée et exécutée. Voilà. Voilà, les copies, les consignes comme ça. Ok, ok, ok. Bon. Maintenant, une question qui nous posait. Regardez que ça va répondre ça. Juliette, il rentre en retard. On va connaître qui fait. Donc, pose Makoun sa question là. Makoun. Makoun la même. Allez, Marcou, n'est-ce pas répondre? Non. Allez, nous cause personne. Name free. On devrait rentrer. Allez, bon, c'est pour rentrer là. Il y a une tas de questions à vous poser, vite, vite. J'espère que les enfants peuvent rentrer là, oui, 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 oui. Nous admis tous les élèves, j'espère que je vais suivre sa classe là. Et si je ne peux pas suivre, je vais vous faire une vidéo. Hein? Allez, I'm the waiting, nous faisons les enfants là rentrer. Monsieur, environ qu'il y a pour finir? Vous pensez, moi, dans quel... peut-être 8h moins 15 pour là. C'est une demi-temps pour finir. Ok. 40 peu avant même. Ok, mais environ maximum. Maximum salaire. Ok. Moi, que je t'en suis pas fait résister parce que je me paye pour même résister. Je ne pas t'en dire que ça. Sinon, ça dit moi non. C'est Goulam. C'est Goulam. C'est Goulam. Vous avez dit ça internet là, c'est Goulam.
Ok, vous allez régler ça parce que toute classe pour online à ce temps. Ok, 7-7 ans, on va régler ça problème internet là parce que toute classe pour online. Donc vous avez une petite place que tu as internet correct pour te capacité à vie. Correct, tu as un bon enfant, suivre classe là bien, tu as raté de suivre sa bonne vidéo là. Allez, la plupart des élèves qui sont rentrés là, nous devons continuer parce qu'il est temps bien limité. Correct. Mais si tu as raté de régler cette vidéo là parce que tout le monde est enregistré. Tu as déjà enregistré dans mon YouTube channel. On espère que tu as un sign up. Ça dans mon YouTube channel. Hein? Allez, nous continuons. Bon, mes enfants, nous continuons. Get ça. Ça, je dis à une rentrée. Encore que ça n'a pas attendre. Ok, il a fallu amuser à le dans les élèves rentrer, nous suivons. Bon, là. Name three registers involved in the fetch execute cycle. Describe what are they. Correct. Allez, qui van registers nous est là dans sa fetch decode execute cycle là. Nous get input. Voilà. Allez, ça n'a pas tout pour répondre. Nous mettez qui élèves là. Allez, qui donne peut rentrer. Et nous posons sa question à un autre élève, là en bas. Nous posons Biari. Allez, Biari. Correct. Qui va enregistrer et n'a pas fait du code execute cycle PC. Oui, voilà. Nous checker. Voilà, nous expandons ça. Qui va enregistrer, nous avons dans l'examen, nous posons la question. Name the free registers. Voilà. Voilà, nous avons un programme counter. Qui rôle programme counter? Programme counter, il augmente par N. Ok, il prépare it for the next cycle. Next cycle. Allez, nous avons 5 gouttes. Qu'est-ce qu'on est arrivé là? Aïe, aïe, aïe. Qui est arrivé là, Internet là? Back. C'est un site là, non? Voilà, tu fais ça. Bon, ça site là intéressant, le cas est accès avec lui. Il y avait Wikibook, correct? Nous avons fait une bonne question depuis là, correct? Allez, maintenant, 5 enfants, bien qu'on se tourne, nous allons vite là, ce n'est pas nous pour l'état pour limiter. Qui est donné un petit problème internet, mais c'est que comment nous avons résolu. On pensait une récit rentrée. Ok. Allez, tu as bien heureux que tu donnes là, nous avons une récit rentrée. Allez. Name the registers. Voilà un registers qui est là. Un special purpose register. On a programme counter. Programme counter normalement il augmente par n. Ok. Programme counter il augmente par n. Il prepare it. Programme counter contain the address of the next instruction to be fetched. Correct. Programme counter store the address of the next instruction to be fetched. Ça vient pour autant que programme counter il garde l'adresse code pour aller next. Qui fait mon diable de ça, tu as là, tu as remarqué que le programme counter il augmente par n. Le programme counter il descend n, il vient descend d, il vient descend 3. Je veux dire, le programme counter il store the address of the next instruction to be fetched. Le programme counter il augmente par n. Mais le programme counter il a aussi une autre fonction qui se comprend après. Si arrive un jump, le programme counter nous alter pour aller au jump instruction. Ça, on va apprendre après. Mais l'autre register qui est là, memory address register, it holds the address of the memory location from where data is to be fetched. Maintenant, il y a memory buffer register, aussi connu comme memory data register. And buffer, il store data temporarily before sending it to the memory or before sending it to the CIR. Maintenant, il y a aussi current instruction register. Current instruction register, it holds the instruction that is actually being decoded or executed. Ok? Maintenant, nous avons une autre question. Describe the fetch. Ok? Describe the fetch. Execute. Qui est arrivé fetch? Value of program counter. Qu'est-ce qu'on est fait? The value. Qu'est-ce que square bracket là? Vous avez remarqué, c'est square bracket là. Square bracket là veut dire valer sa programme counter là, nous avons dit MAR. Voilà, regarde là. Valer sa programme counter là, c'est ça, se valer.
201, nous avons dit dans MA1. Et comment nous écrivons ça? Nous allons écrire comme ça. Square bracket, valeur programme counter, veut dire ce valeur combien il y a? 201. Et arrow, quand nous avons dit arrow, nous avons dit dans MA1. Veut dire sa formule là, veut dire value of programme counter, nous avons dit dans MA1. Veut dire valeur 201, nous avons dit dans MA1. Ok, qui fait nous avons dit dans MA1? Parce que grâce à ça, nous sommes capables d'aller dans la mémoire. Nous avons dans la mémoire l'adresse 201. Et nous avons prendre ce data, nous avons dans la mémoire data register, ou même mémoire buffer register. Et à travers ton adresse bus, dans la mémoire. À travers ton data bus, tu sors les data là. Maintenant, et depuis dans MBA, il y a eu la CIA et la CIA les décoder et les exécuter. Maintenant, nous sommes là. Nous peut dire qui est arrivé là. Valer un programme quand ça nous explique fetch là. Qui nous explique fetch? Veut dire ça PC, veut dire register PC, square bracket, veut dire ce content, veut dire valer un programme quand nous peut avoir dans MBA. Après ça, qui nous fait programme counter, ce valeur augmente par n. Valeur qui est dans le programme counter, il augmente par n. Si c'est 200 n, il peut descendre. Si c'est 200 n, il peut descendre 3. Et là, il y a ça bout là, ça qui est intéressant. C'est un cas expliquement qui peut arriver là. Mémoire, tu as la mémoire, sa place là. Tu prends ce data, tu as envoyé dans MBR. Veut dire, ce square bracket là, veut dire, tu as la mémoire, sa place là. Tu prends ce content, tu as envoyé dans MDR ou bien MBR. Pour expliquer ça, nous allons expliquer comme ça. Tu as la mémoire, valeur 201, tu as là, tu prends ce content veut dire l'eau 206, tu as envoyé dans MBR, et get sa formule là, et là, square bracket, memory location, qui memory location, 201, ce content, ce square bracket là veut dire ce content, veut dire l'eau 206, tu peux envoyer qui côté, arrow, tu peux envoyer dans MBR, correct? Et ici qui veut dire, valeur programme counter, il augmente par N, programme counter, ce valeur, c'est 200, 200N, 200N plus N, il est 200D à ce temps. Oui, ça arrivé dans Fetch. Voilà qui est arrivé dans Fetch. Valeur programme counter, tu as envoyé dans MAR. Valeur programme counter, 200N, tu as envoyé dans MAR. Et ici qui est arrivé, programme counter augmente par N. Programme counter, c'est 200N plus N, il est 200D. Et ici qui peut arriver, dans mémoire, tu as dans mémoire, sa place là, 200N, tu prends ce content, ok, ce content, tu as envoyé dans MBR. Et dans l'autre, 206, tu as envoyé dans MBR. Ok, et depuis MBR, tu peux envoyer ce valeur dans CIA. Correct, c'est même après ça fetch. Et là, dernière là, nous décoder. Dans CIA, nous décoder. Et nous exécuter. Voilà ce qui peut arriver. Describe, fetch, execute, reset cycle. Maintenant, là, je vais poser une question. Je vais prendre des élèves intelligents pour qu'ils répondent. Moi. Allez, Batubara. Ne commencez pas toi-même. Complete the following diagram. Ok, showing each step of execution. Allez, qui peut arriver là? Allez, nous avons un petit bateau barra qui a répondu. Et pour faire ça, nous pouvons print screen, nous pouvons appeler ça dans Paint. Allez, bateau barra pour raconter nos histoires là. Allez, mon garçon, dis-moi qui est arrivé. Nous pouvons valer un programme counter, nous copier leader MEA. Bien bon, qui va aller hein? 170. Allez, nous copier. Allez, nous finissons faire ça pour toi. C'est ce que nous voulons faire. Là, on servit address bus, nous avons ça, nous avons lié par code RAM. Voilà, code dans le RAM, là, code 170, bien bon. 170. Alors, c'est qui nous fait? Là, nous prenons sa data là. Bien bon. Nous avons lié code MDR. À travers qui MDR, c'est MDR. Ouais, à travers qui résiste? Data bus. Très bien, mon garçon, on est satisfait là. Ok, load, L-O-E-D. Bon, mon père a écrit bien parce que mon père a un mouse. Load, c'est pas ça, siffle là, Jays. Comment il écrit 166, mon père a la tire là. Bon, mon père a écrit, il connaît un mouse, pas facile d'écrire. Allez, après ça qui est arrivé. Then on veut. Il dit là que CIA. Très bien. Ok, après qui est arrivé dans CIA, à l'aide des contrôles d'unité. Bon, contrôle d'unité, moi avec écrit contrôle. Contrôle d'unité dans CIA qui est arrivé, décodé avec exécuté. D'accord? Très bien, moi je suis satisfait avec ta réponse. Et nous continuons l'explication. Voilà. Voilà, nous donne ce réponse là. Et ce réponse, voilà, il expliqué. Il prend ça et envoyé là. Après. Voilà. Après, il y a moins de programme counter, n'oubliez déjà. Il y a moins de programme counter par N. Ok, voilà. Les programmes counter augmentent par N.
Le 63, il y a là, sa mémoire là, il prend ce data, il y a voyé là, ici ailleurs. Ok? Maintenant, ici, tu es capable de voir qui peut arriver là? C'est ce tour là. Allez, tu mets un autre, on prend un autre élève là. Allez, d'où là? Qui peut arriver ici là? Vous pensez une rapetisseuse là? Ouais. Bon, ça c'est pas une étape, vous pensez d'autres cargues ça. Bon, on va voir ce link. Je vais vous avoir ce link là. Vous êtes capable de rentrer là-dedans et de s'en mettre là. Je vais vous chercher ce link là dans le chat là-bas. Je vais vous aider à gagner ça. Voilà, on va vous avoir ça. Vous êtes capable de gagner ce link là, que ça va nous aider. Vous êtes capable de gagner ça. Allez, maintenant, nous finissons ensemble. On va vous trouver beaucoup les temps ensemble. Vous prenez d'autres affaires qui sont intéressantes. Et on va parler dans une minute. Voilà. On finit à expliquer qui est arrivé dans la flèche, qui est arrivé dans le décoder, qui est arrivé dans. Execute, mais reset les préparer pour le next cycle, les clients. Voilà, ça m'a expliqué ça en termes flowchart. Programme 41 contient the address of the memory location next to be fetched. Il copie le dans MER, il y a la mémoire, ça place ça, il prend ce data, il y a amené, il y a besoin de CIA, programme 41 augmente par N, et là, il décode et il exécute, et là, il fait l'autre cycle. Il réal là-haut, programme 41 augmente par N, il refait ça, il y a le cycle. Ça m'a fatigué expliquer. Maintenant, je vais vous prendre une des questions. Voilà. Une des questions, nous guettons rapidement, moi, une des questions que vous avez. Vous êtes la même là. Correct. Nous guettons qui va nous aider pour suivre. Une question intéressante. Voilà. Petit chapitre ça, qui était différent, ça fait 4. Voilà. Communication, Internet, Logic Gate. Voilà, nous presque là. Voilà. Operating System Buffer. Voilà, il a. Allez, bien intéressant là, je vais suivre. Je crois que j'espère que je vais suivre. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Allez, suivre ça bien là. Hein. Je vais vite, je vais recorder sa session là. Hein. Je vais regarder la vidéo là. Allez, bien. Bon, Von Neumann, il y a trois qui sont. Il y a single processor, il utilise single processor et programme avec des data dans la même mémoire et il utilise single processor, only one CPU avec l'utilise linear sequence of execution. Il y a Von Neumann, il y a trois qui sont. Il y a programme et data are stored in the same memory, same number of stored program concept et il y a single processor et il utilise linear sequence of execution. Maintenant, une affaire qui est importante, bus, qui veut dire bus, c'est ben la ligne. Il y a trois qualités bus, address bus, data bus et control bus. Address bus, il can carry out addresses between the processor and the memory et les unidirectional, très important les unidirectional. Et data bus qui était? Data bus, comment on dit? Data bus, bidirectional et voilà, bidirectional et il carry data from the memory et to the memory. Et control bus, bon, regarde là, tu as trouvé, il y a un peu ambigu. Ça livre là, il dit qu'il y a unidirectional, il y a bidirectional. C'est moi, mon petit étoile, il y a bidirectional. Qui fait le bidirectional, il y a un contrôle signal. Sans avoir un contrôle signal, contrôle unit. Et l'autre côté, l'autre band device là, input output device, il y a un interrupt dans l'autre direction. À cause de ça, on appelle ça bidirectional. Maintenant, ça, on finit d'expliquer. Bon, vous prenez l'autre question là. Voilà. Résisteuse. Qui est une résisteuse, vous connaissez? Vous regardez si vous élèves encore là. Voilà, voilà, ben c'est les blèmes. Une cause, combien de registres on a? Memory address register, memory data register. L'autre mot pour memory data register, aussi connu comme memory buffer register. On a aussi programme 41, on a CIO, etc. On a arithmetic logical unit. Bon. Maintenant, memory unit, control unit, etc. Les pécoser. Ah, c'est une question intéressante. Allez, nous vite sa question là, si nous capable de faire. Allez. The location of the memory unit contains the address ça and the content list ça. Describe a read operation. Ok. Bon, les enfants, vous ne pas connaître si vous voulez les temps faire tout, mais vous avez envie de nous faire.
Ok. Voilà. And me does it. Nous prend sa question. The location in the memory contains the address and the contents. Describe a read operation on the location indicating the role of MAR, MDR and buses. Bon, sa question là, on peut s'expliquer là. Nous avons ici, quand vous avez compris, nous faisons print screen. Nous avons essayé d'appeler, nous pouvons ici là. Alors, je vous explique. Et là, je vous explique ça. Allez. Nous avons sa question là. Sa question là, il peut être comme ça. The location in the memory contains the address. Et si nous avons mémoire comme ça, ça nous mémoire. Alright, ça nous mémoire, ça nous RAM. Alright, ça nous RAM. Ok, l'India, the memory location containing the address. Bon, mémoire qui côté l'adresse, ça c'est adresse. Ok, il dit. Adresse, ça se content là. Hein? Bon, qui côté dans mémoire l'adresse N0 et 0. Et ce content qui était 0 0 0 N N 0 0 et 0. Bon, ça c'est ce adresse et ça c'est ce content. Correct. Maintenant, qui te peut dire nous qui est là dans MAR et qui est là dans MDR? MAR qui va aller à Poyna. Allez, je vous ai dit à moi là. MAR qui va aller à Poyna dans ce registre. Et MDR qui va aller à Poyna dans ce registre. C'est la carte à moi. Allez, moi, je vais expliquer. Ok. MAR, il est pour contenir quoi? MAR pour contenir memory address. C'est-à-dire, ça qui peut être dans MAR. Dans MAR pour ça va aller là. Est-ce qu'ils sont d'accord à moi? Bon, malheureusement, on a l'écrit à l'eau là. MAR pour une sa memory address là. Dire, qui pourrait être dans MAR? NN0. Voilà, NN0 0 et 0. Et là, MDR qui pourrait être ça va aller là. Et ça va aller là, c'est ça. Voilà. Describe a read operation on the location. Ça. Voilà. Et pour amener ça va aller là ici. Ici, il pourrait être 0, 0, 0. Et il pourrait être NN0 0 et 0. Est-ce qu'ils ont compris? Ok, voilà ce qui peut arriver. Moi j'espère que tous les enfants comprennent là. Maintenant nous quittons partie B. If the value is to be stored in the location, ça write a write operation. Allez, maintenant vous pouvez faire ça. Moi j'espère que vous pouvez suivre. Write, get ça question B là. Hein? Attendez, Ctrl Z. Allez, mais vous avez sa question B là, là. Ah là, correct là. Hein? Question B là, vous posez un élève question là. Vous avez ça sur tout. Tu es tout. Tu es tout, vous savez répondre moi question B. Parce que question A là, moi, je finis faire là. A là, mon carré facile. Tu es tout, A là, mon carré facile. C'était pas bien comprendre oui. De dire. A là, il contient ça l'adresse là. Et là, là, ce content là. Il permet ça là, il peut read. Ok. Maintenant, B. Voilà, B. Vous pouvez faire B. Tu es tout, c'est. Et moi là avec sa question là. Allez, right, nous mettez si tu es tout plus tard à suivre. Voilà. Allez. Maintenant, nous mettons un coup. Si les enfants là qui à suivre ça. The value, c'est une valeur ça. Correct. Et valeur là, c'est une data. C'est là, nous avons mis là. N0. Correct, sa data là. Correct. Mais il n'est pas pour envoyer dans sa direction là. Il peut envoyer dans l'autre direction. Mais il veut prendre sa data là, il peut envoyer dans l'autre direction. Voilà. Il peut envoyer là-bas. Mais écoute, qui l'adresse il peut envoyer? Comment vous connaissez qui l'adresse? Il dit écoute, ça l'adresse là. Mais comment il peut avoir ça l'adresse là? Mais il faut dire où écrire l'adresse là, ici. Qui l'adresse vous écrire ici? Il faut dire où écrire l'adresse là. L'adresse là, ça, ça. Il veut dire N0 0 N N N. Et là, on a l'adresse là. N N N N 0 N N N. Il faut l'adresse là pour y avoir sa valeur là-bas. Correct là?
Comme tu as tout. J'espère que je vais vidéo là, je vais comprendre. Si je n'ai pas compris cette vidéo là, je sais comprendre. Après, je te pose ma question. Maintenant, on va faire l'autre question là. Et ça, il est expliqué ici. Voilà. Ce réponse, il ne donne pas examiner là. Examiner ce comment, cette vidéo là, je vous comprends. Il y a sa commentaire. Correct. Maintenant, une autre question, je vais vous dire. Describe the role of buses and addresses in the new modern architecture. Ok, c'est les blagues qui écrivent. Il écrit une réponse. Mais examiner là, peut donner une autre réponse. Je lis à lire. Moi, je ne peux pas lire la ligne pour la ligne. L'examiner là, peut faire ce commentaire. Une cause de buses avec une cause de adresse. Correct. Maintenant, on prend une autre question. Fais le code exécute. Il y a plusieurs questions. Voilà, tu as ce cycle là. Attends. Là. Lydia, fetch decode execute cycle, get ça là. Et il y a une photo là. Voilà. Et get ce bon étape. Correct, ça c'est bon étape. Il dépose ta question en bas. Ok. C'est déjà programme 40, ça va aller. Ok, ça reste dans le programme 40, the next instruction, tu copies Lydia MEA. Après, tu as la mémoire, ça place ça, tu prends ce data, tu envoies ça dans MDR, et MDR, tu envoies dans CIR, et value des programmes 40, tu augmentes les par N. Et instruction là, décoder, exécuter. Correct. Maintenant, describe the registers, chaque register se fonction, souvent des fois, il y a une question dans l'examen. Programme 40 se fonction, numéro d'adresse register se fonction, numéro de data register se fonction, etc. Voilà. Il y a une question en cours, ok, non? Je t'écoute. Ok. Maintenant, on arrive depuis là. On est presque arrivé à la fin de la classe. Là. On fait un peu une question d'examen. Voilà. Ok, ça nous a close à ce ça nous a close, donc save. Voilà. Maintenant, sur, notre classe nous vous prend, nous déjà close là, performance des CPU. Ok, nous vous reprend lit. Ok, cause, ça nous cause 0 là. Maintenant, je vous dis, vous avez envie de quitter un coup de signe pour un peu de question à l'examen concernant cette topic là. Bon, j'ai dans cette passe paper. Non, non, j'ai dans cette. Pour mon 4 pieds, non, pour mon 4. Ouais, ouais, j'ai dans cette passe paper. Dans cette passe paper, je m'en dévoile pour vous. Ouais, dans cette bouclette, moi, là, pour vous. C'est ça. Je m'en dévoile dans cette bouclette, moi, là, pour vous. Voilà. Alors, bon, c'est la semaine prochaine. Tu vas dévoiler cette bouclette. Si je m'ouvre cette bouclette, je vais presque expliquer ça maintenant. Voilà, attends, ici, paper 1. Voilà, cette bouclette. Dans cette bouclette, moi, là, pour vous. Ça va dévoiler parce que moi, je finis expliquer là. Voilà. Voilà. Fais-moi un rappel la semaine prochaine quand on va rentrer, vous courir sur mon dévoile là. Et le dévoile là, il commence là. Ouais, c'est ça qui m'a pour vous dire parce que l'explication, moi, je finis. Voilà. Allez, moi, tu commences à corriger ça, non? Moi, tu finis comment à corriger? Ça dévoile, hein? Moi, je finis comment à corriger, non? Allez, semaine prochaine, je dévoile, hein? Correct. Voilà, ça va me dévoiler, j'ai déjà fini faire tout, là, nous poser. Voilà. Bon, on finit expliquer, là. C'est une prochaine, ça va me dévoiler, nous poser. Voilà, embedded, là, nous pouvons expliquer, après. Allez, on va arriver à la fin de sa classe, là. On finit de dévoiler pour la semaine prochaine.